Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va, il fait chaud, c'est normal, on est dans le temple du feu. Donc on s'était laissé à l'entrée du temple, je ne sais pas combien de temps va prendre ce temple, je pense au moins 2 épisodes parce que je sens la galère arriver. On avait déjà un truc là qui me tombait dessus là, donc je ne peux pas passer par là. Là c'est fermé. J'ai un vieux souvenir de ce temple, il me semble qu'il y a des fausses portes, donc on va se méfier. Alors, je pense que je peux tout simplement faire ça, là. Voilà, donc là, pour passer derrière, pas de souci. Le petit troll, c'est fait. Là, il y a quelque chose. Déjà, de base, ça, c'est une porte. Ok, ok, ça commence très bien. On va virer ça, parce qu'il va me manger ma tenue, lui. Il va me manger ma tunique. Et je vais me faire avoir. Alors on voit déjà qu'il y a un Goron emprisonné avec un super coffre de l'autre côté. Alors dans ce donjon, on va devoir justement libérer des Gorons. Je sais pas si je peux lui parler. Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas. J'ai un goût atroce. Ok. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a soit la carte, la boussole ou l'objet du donjon dans ce coffre. Mais alors on sait pas quoi. Waouh. Alors quel est l'intérêt de venir ici, franchement? Il y a vraiment rien à y faire. D'accord. On a bien fait de venir. Ça, c'était très intéressant. Alors, j'ai quand même vu un truc ici. Regardez, on a des semblants de torches, là. Alors, je vais me méfier qu'il n'y ait pas un truc qui me tombe dessus. Là, il y a une porte planquée derrière ça. Alors, je confirme, mais ça s'explose pas. Je sais très bien ce qu'on en fait. Là-bas, c'est fermé. Là, c'est pareil. Il y a des torches qui ne sont pas allumées. Donc ce qu'on va faire, on va faire un feu de daim en plein milieu, là. Feu de daim. Tac, ça devrait éclairer tout, et ça va sûrement ouvrir une porte, ou me donner un coffre. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, voilà Darunia. Mon poteau. Qui est là? Est-ce toi, Brioche? C'est vraiment toi? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois. Bon, faut qu'on parle, d'homme à homme. Mais le temps presse. Ganondorf sème la pagaille sur le mont du péril encore une fois. Il a réveillé l'ancien dragon démoniaque Volcania. Et en plus, il va donner tout mon peuple en amuse-gueule à ce sale dragon. Tout ça pour faire peur aux autres races du royaume. Si ce cracheur de feu s'échappe de la montagne, il y a des chances pour qu'Hyrule devienne un vrai feu de joie. Je vais aller voir s'il y a un moyen d'enfermer ce gros reptile. Je n'ai pas la masse légendaire, mais le temps presse. Brioche, rends-moi un service. Et, en tant que frère de sang, va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon. Les cellules sont de l'autre côté. Je compte sur toi, Brioche. Ok, donc lui, il veut s'occuper du boss qui est juste en face. Là, on sait qu'il est là, mais bon, j'ai pas la clé, mais... on sait que c'est là-bas. Et il nous demande de libérer son peuple. Donc, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Pendant qu'il s'occupe de la bête. Il dit quand même qu'il n'a pas la masse légendaire. J'ai envie de te dire que nous non plus. Ça, c'est bien fermé. Là, il n'y a pas une petite araignée qui se planque dedans, là, une sculpture là. Il y a encore ça, là. Je sais pas s'il suffit d'une... Je pense pas que je puisse sauter là-bas. On va retenter un coup de feu. Mais à mon avis, s'il n'y a qu'une seule torche... Ça va pas être la folie, hein. Alors, est-ce que je cours assez vite pour aller éclairer un truc qu'il y aurait en face? On va essayer, je ne garantis rien, surtout que la magie c'est pas infini, donc... Ah ouais mais du coup... Ah puis alors là il faut ça du coup. Alors effectivement il y a une torche. Ah mais attendez, on a peut-être une autre solution en fait. Là-bas ça a dû s'éteindre. Ok, déjà on va ouvrir ce genre de caisse. Peut-être qu'on va retomber... Il y a beaucoup de flèches. On va retomber peut-être sur des vaches interrupteurs, tu ne sais pas. En fait ce qu'on va faire, j'aurais dû réfléchir un peu... Mais on va éclairer une torche avec le feu, puis après on lancera une flèche à travers la flamme. Oh, d'accord, il y en avait une ici, super. Alors, du coup, ça se confirme. Ici, il faut absolument que j'utilise le feu. Est-ce que j'atteins... Je sais pas si je peux l'atteindre de là. Si je suis bien aligné, peut-être. Je sais pas si... Ah,
ça va être chaud, 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 chaud. Peut-être de là. Parce que là, du coup, je la balance dans la... Ou alors, faut que j'éclaire là-bas et que j'allume les deux. De là-bas. Je sais pas si j'atteins celle-ci. Hein. Le problème, c'est qu'elles sont trop basses. Parce que là, j'envoie ma flèche dans la torche. Là-bas, elle a l'air d'être à la bonne hauteur. Donc, on va essayer de là-bas, en fait. On va quand même faire... Oh, mais j'ai pas beaucoup de magie. Hein. Comment je fais monter de là-bas? Comment je suis arrivé ici? Ah oui, avec le grappin. Donc, il faut que je fasse ça. On va tenter l'expérience. De toute façon, j'ai de la magie pour le moment. J'aurai le temps de faire encore un coup après. Je suis pas sûr, hein, mais... Je tente l'expérience. J'espère que c'est pas là, ici que j'ai... Enfin, je veux dire, j'espère que j'ai un autre choix. Ah, vous voyez, ça s'éteint là-bas. Un autre choix de salle, parce que sinon, s'il y a que ça, on est mal barré. Alors, est-ce que d'ici, j'atteins les torches? Ça va pas être mieux, hein. Peut-être de plus loin. J'aurais peut-être pas dû casser les caisses, j'étais peut-être à la bonne hauteur avec les caisses. Celle là-bas, ouais. Mais alors là-bas... Bon, c'est pour un petit coffre, mais à tous les coups, c'est pour une clé. Super. Je suis déjà bloqué, parce que je me demande bien comment je vais faire ça. On va aller visiter les autres salles. Je sais pas s'il y en a d'autres. De toute façon, il y en a pas d'autres. Hein. C'est ça mon problème. J'ai déjà plus de magie. Je peux refaire encore un feu. Je suis déjà Keblo là. Par contre, il y a des pots. Je peux peut-être récupérer de la magie. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a que là-bas où on peut faire quelque chose. Ah oui, il y a de la magie, ça c'est bien. Est-ce que j'aurais pas raté un truc pour le feu? J'ai pas de clé pour là-bas. Là, on va se méfier. Il faut bien passer sur le côté. Le gros coup de troll. Ça, je ne peux rien y faire. Au moins, les caisses vont revenir. Donc peut-être qu'avec les caisses. Je suis à une meilleure hauteur. Peut-être. Putain, on va être bloqué à la première salle, les amis. On va être bien. Combien de temps faudra-t-il pour faire un donjon? Je vous le demande. Peut-être que je me prends la tête pour rien. Peut-être que je me prends la tête pour rien. Non, mais non, je peux pas. Je peux vraiment pas faire ce saut, là. Faut pas déconner. Il y a peut-être un interrupteur que j'ai raté. Normalement, je peux m'agripper aux torches et aux caisses. Et en fait, il aurait fallu une caisse. Non, les torches, je peux pas. La caisse, je peux. Je peux. Mais j'aurais bien voulu une caisse en plein milieu, comme ça j'aurais fait deux coups de grappin à jeter de l'autre côté. Bon, allez. On va tenter ça. On va tenter ça. Je l'ai allumé. Ah, puis là-haut, il y a la caisse. Elle n'est pas ouverte. Ok. Ça doit être faisable. Ça doit être faisable comme ça. Ok. On va libérer la torche, puis repasser de l'autre côté. Alors, je fais un big up à Samchi. Il doit regarder. Je crois qu'il regarde le let's play. Hein. Qui m'avait dit que je pouvais récupérer quelque chose en faisant... Enfin, il m'avait dit que je pouvais avoir une facilité, en fait. Que je n'ai pas, là. Big up, Samchi. Voilà, juste pour ça. J'en parlerai plus tard, le jour où ça arrivera. J'ai pas envie de spoiler ceux qui ne connaissent pas. Donc, peut-être, du coup, que si j'ai réussi à allumer la torche... Celle-là est plus basse, hein, faut pas déconner. Celle-là est plus basse, je peux jamais... Là, elle se plante, hein. Elle se plante dedans, là. Non, non, c'est de l'autre côté, hein, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. L'autre, elle est à la bonne hauteur. Celles-là sont plus basses. Alors, en espérant que celle-ci, je puisse l'atteindre de là-bas. Allez, allez, on y croit, on y croit, on y croit. Ça va, les allers-retours, on connaît, on apprécie. Seul temps de parler de notre vie, de dire que, écoutez, on va plutôt bien, que je pense que je vais tourner deux épisodes à la suite pour peut-être finir le donjon en un coup. En supposant que je le fais en deux épisodes. Mais vu comme c'est parti...
On est bien parti pour en faire 6, parce que si on fait une salle pour un épisode, je vous raconte pas. Ok, on va y arriver. On va y arriver clairement parce qu'on a réussi là-bas. Oui! Ah, merci. Ok, on avance. Petite clé et etc. Ça peut que être une petite clé, voilà. Ouh! Eh ben, dites-moi. Surtout que le feu de machin, là, je suis pas censé le... Enfin, c'est pas si obligatoire que ça, je crois. Hein. Enfin, du moins, dans l'aventure de base, c'est pas si obligatoire. Là, il me faut vraiment tous les objets, quoi. Il n'y a pas de doute. On va recasser les pots parce qu'il y aura peut-être de la magie dedans. On va la recharger parce que je sens que dalle. Je sens qu'on en aura besoin. Mais apparemment, ils ne veulent pas m'ouvrir. Alors. Déjà. Ouf. Alors, attendez. On va essayer de se venger contre eux, là. Alors, vous m'aviez dit... Quand j'en cible... Ah, faut que je recule quand il fait ça, c'est pas vrai. Quand j'en cible un, l'autre n'attaque pas. Donc ça, c'est intéressant, parce que l'autre, il est là, il te fait peur. Alors, j'ai encore la console qui glisse des mains, je vous raconte pas. Ok. Ah, c'est bien, il disparaît complètement. Il est pas en mode squelette, il va pas réapparaître. Boum! Ouais, bien fait mal quand même. Je vous rappelle qu'il enlève bien 4 cœurs, lui, il est bien sympa. Ah, alors ça, je crois que c'est intéressant. Rappelez-moi, c'est ça? Non, ça doit être le champ de... Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand elle est comme ça... Yes. Une grosse fée que je ne peux pas mettre dans un flacon, hein, mais elle me rendra mes cœurs et ma magie. Allez, viens. Parfait. Alors, je sais pas si elle revient à chaque fois que je sors de la salle et que je re-rentre, mais ça va être pratique. Ouh, alors attention. Déjà, là, il y a les dalles des ténèbres. Là, c'est les dalles de Minecraft qu'on en marque, tu les appelles les demi-dalles qui se vengent, ok? Et là-bas, il y a un super mec sympa. Ah, il y a encore une fée pour te soigner, là. C'est gentil. Ça va être gentil parce que c'est peut-être nécessaire. Je vous raconte pas. Ce truc-là fait des dégâts de ouf. Donc on va se méfier. Après, il est assez lent, normalement, donc on devrait s'en sortir. Alors... Comment tu l'appelles? H-viande, non? Un truc comme ça? Voilà, H-viande, sa hache est meurtrière, frappe-le quand il baisse sa garde. Alors lui, il plaisante zéro, hein, je vous préviens. Mais il est très lent. Ouf! Là, on a un bon rythme. Pour rigoler, je ferais bien un test. Oh nom de Dieu! Oh les cœurs! Vous avez vu les cœurs que j'ai perdus? Ah, je peux pas me faire toucher là. Hein. C'est bon. Oh les cœurs qu'on a perdus! Le truc de fou! Le mec il plaisante pas. Il a pas le temps, il te tue en deux coups. Et si on avait pas pris quelques quarts de cœur là, c'était le one shot. Hein. On va se faire soigner du coup, on va pas se gêner. Oh la vache! Ça va que lui il est assez lent, hein, mais je crois qu'il y en a d'autres, des gars comme lui, qui sont beaucoup moins sympas. Alors il y a pas mal d'objets. Une fée. Bon, j'en ai déjà deux, écoutez, j'ai pas envie de. Ok, bah c'est sympa, cette salle est cool parce qu'il y a des fées de partout. Ah ouais. Ils sont gentils hein, quand même. Ils sont grave gentils là parce qu'ils t'embêtent partout. Ils ont bien vu là, vu les dégâts. Oh là là, ça n'arrête jamais les boss ici. Qu'est-ce que c'est que ce machin? T'es où? Qu'est-ce que tu es? Oh là! Ok, il y a un épouvantail, tout va bien, je me souvenais pas du tout de ce genre de bestiole. Je crois qu'on... Ah si. Tiens. Hop là! Non! Je crois que c'est avec le grappin qu'on l'a. Hein. Mais je me souvenais pas que c'était dans ce donjon en fait. Attends, le problème de la vie c'est que t'es trop lente.
Oui, je l'ai. Quelle horreur ce machin. Oh là là. Allez, 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 prends des dégâts. Ok. C'est assez facile à tabasser. Il est devenu bleu. Tout un concept. Ok. Ça va, c'est pas quand même, c'est quand même assez sympathique. En plus, il fait pas beaucoup de dégâts, le machin. Quand on se prend des petites flammes, là, c'est... Par rapport au mec qu'on vient de tuer, c'est quand même assez petit joueur, là. C'est quand même assez petit joueur, hein. Il est ridicule, en fait. On dirait un sans-cœur, un peu. Pour ceux qui regardent KH. Il a une espèce de signe de cœur. Wop! C'est bon, on peut se calmer. Ah. Alors. Carte, boussole, objet du donjon. Le suspense reste entier. Ouh, on l'a directement. Ok, la masse des titans, donc l'objet du donjon. C'était assez obvious parce que Darunia en a parlé, la masse légendaire. Donc la voilà. La voilà, la masse qu'on va mettre à la place du feu. Je sais pas si c'est bien. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour le mettre pour mes raccourcis, mais voilà. Avec ça, on peut faire quelques dégâts, on peut exploser quelques trucs et surtout quelques rochers que je ne pouvais pas exploser avec mes simples bombes. Avec ça, je pourrais. Et je pourrais aussi, voilà, appuyer sur ce genre d'interrupteur rouillé qui, si je monte dessus, ne fonctionne pas. Oui, c'est... merci. Voilà, je suis pas assez lourd, je suis pas assez fat. Il me faut ça. Et je crois qu'on atterrit à l'endroit de la dernière fois où je disais, mais what the fuck, c'est quoi ce machin? Tu es venu me sauver? Je peux partir? Le chef d'Arunia t'a demandé de me sauver. Tu dois être un fier... Je te dois une fière chandelle. Va vite aider le chef. Voilà, et il s'en va avec une musique joyeuse en faisant ça. Voilà, c'est tout. Et du coup ici, carte, boussole. La logique voudrait la carte quand même. Du coup maintenant, on va pouvoir ressortir et utiliser notre masse. La carte, nickel. Pour l'instant on est bon. Pour l'instant on est bon. On a eu un petit relâchement au début en enflammant les torches. Mais maintenant, alors je suis jamais centré comme d'hab, mais c'est pas grave. Là, on est bien, on est bien. Regardez à quoi sert le marteau. Et il sert aussi, en fait, pour ce genre de truc. Pour virer ce genre de machin. Voilà. Du coup, la masse pour les interrupteurs rouillés, pour ce genre de pylône de totem, là. Et pour certains rochers qui n'explosent pas avec des bombes. Voilà. Et évidemment, pour certains ennemis. Pour les écrabouiller. Alors, on arrive dans une grande, grande salle. Pour l'instant, je n'ai pas vu de sculpture là. J'en suis assez déçu parce que dans le temple de la forêt, on en a vu masse. Alors, si je me trompe pas, regardez là-haut. Il y a déjà une torche qui souhaite être éclairée. Là-bas, c'est fermé. Il y a une autre torche. Là-bas, il faut une clé, mais je n'ai pas de clé. Là-bas, il y a une autre torche. Alors, je ne sais pas s'il veut qu'on s'amuse à éclairer les trucs. Mais ça va être chaud de la fesse. Là, on a ça qui est fermé. Ok. Est-ce que vous pensez... Parce que si je suis obligé d'utiliser le feu, encore une fois... Ah, je peux marcher un petit peu là-dedans. Sans prendre trop de dégâts. Ouais, assez. Enfin, j'en prends pas trop trop. Parce que j'ai la tunique de feu. Je pense que si je l'enlève, je prendrai des dégâts constants. Ah, merde. Là, je suis un petit peu protégé. Je pense que je peux sauter au-dessus de... Merde. Ah! Ah là là, on a tout planté là. Je dois pouvoir sauter au-dessus de ça. Grâce à ma plateforme. On teste. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Peut-être en faisant ça. Ah, je suis passé. Je sais pas si c'était censé être fait, mais je passe, ok. Si ça te pose problème, c'est pas mon souci. Je sens clairement passer... Ça se trouve avec le marteau ça marche direct là.
Nickel. Ah bah voilà. Une porte ouverte. J'espère que j'ai pas glitché le jeu en passant comme ça, mais au pire, fuck it. Alors là, faut encore allumer. Ah, décidément, il s'amuse bien avec le feu, là. On va faire comme ça. On va mettre ça ici. Voilà. Donc je refais ça, ça devrait libérer le mec. Il va me donner une petite clé, je pourrais ouvrir la prochaine porte. On est pas trop mal. Bon, je vais cramer le Goron en même temps, mais bon, il a la peau dure, hein. Voilà, donc tu es venu me sauver, je peux partir. Pour te remercier, voici un petit conseil. Tu devras frapper certains interrupteurs pour les activer avec notre spécialité locale. Ouais. J'ai pas tout compris. Je crois qu'il parlait des bombes et du marteau, là, mais bon. Une petite clé, s'il te plaît. Parfait. J'aime ne pas être bloqué dans un temple. Alors, si t'as de la magie là-dedans, je dis pas non. Putain, c'est chiant, vous pourriez vous recharger, quoi. Je sais pas comment ils veulent que je flambe tout ça, franchement. Vu le nombre de trucs... Vu le nombre de torches, là, mon feu, il peut bien faire ce qu'il veut, mais... Ça marchera pas, quoi. Là, je peux passer là-bas, maintenant. Ouf. Aïe! Bon, dépêche-toi. Là-bas, je peux ouvrir. En face, on peut sûrement faire à peu près la même chose, mais il y a une grille. Et en dessous... En dessous là-bas, il y a l'air d'avoir un passage, mais je crois de mémoire que c'est une fausse porte. Donc pour l'instant, on va continuer puisque j'ai la clé. Surtout que je crois que c'est un cul-de-sac ici, non? Ah non, ce n'est pas du tout un cul-de-sac. Non, attendez. Je peux monter là-dessus, mais normalement... Mais... Ah non, c'est par là. Ça, là. Voilà. Alors même si je connais pas trop Master Quest, je me souviens de 2-3 trucs quand même, donc là je peux grimper là-dessus. Ok. Et ensuite... Alors en face il y a des cœurs, je t'avoue que je dirais pas trop non parce que... J'en manque pas mal et il y a une torche en feu. Alors va courir tout droit là avec mon pauvre joystick de 3DS. Oh là 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 là. Ah! Ça je me fais flipper! Ok, tout ça pour ça, merci. Donc, tu descends tranquille là, voilà. Tu attends que la pierre elle tombe. Et j'ai envie de te dire que tu vas pas sauter tout de suite. Parce qu'il y a du froid, nom de Dieu! Ok. J'ai peur que je ne puisse pas sauter. À cause du feu là, je tente. Ok, je ne peux pas. Donc il va bien falloir attendre que la pierre remonte. Faut être dans le timing. Et je pourrais passer au-dessus. Ok. Timing. Arrête. Alors il y a une tunique du feu qui protège de la chaleur, mais c'est pas la folie non plus. Go! Ouh. Timing, timing, hein. Ok. Alors. Là, on a un gros coffre. Il y a la boussole, c'est sûr et certain. Il nous la faut. Il nous la faut. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais il nous la faut. Comment je l'ai? Voilà, on peut monter par là. J'aime bien faire des temples avec vous parce que je trouve que c'est calme. C'est quoi cette merde? Ça veut être éclairé, ça aussi? Ça, c'est un bras zéro? Effectivement. D'accord. Mais c'est le bras zéro pimp, celui que tu ne vois pas très souvent. Le truc qui fait plaisir, quoi. Ok. Comment je vais chercher ma boussole, là? Là, il y a des grilles pour grimper, mais... Ouah! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà, merci. Ok, je ne peux pas récupérer ma boussole pour le moment. On est à combien? 25 minutes? On a... Oh, il y avait un truc de grappin pour aller plus vite. On a encore le temps, ça va.
Le donjon est très très grand, hein. Alors attendez, parce que là c'est... Oh là là, oh là là, oh là là, je me souviens de ce machin. Là ça va être la merde. Là-haut, il y a une porte déjà où il faut une clé. Putain, j'ai cru qu'il y a un truc qui m'était sauté dessus. Ok, là j'ai l'impression qu'il veut placer un bloc du temps, vous savez. Ah, ça se voit là. Aïe! Nickel. Alors, le problème de ça, c'est que je crois. Voilà. Ok, il nous faut un truc à poser là. Ouvrez l'œil si vous voyez encore un mur à exploser. Là, il y a une porte fermée. Il me semblait qu'il y avait dans un coin. Ah, mais tu vois pas que tu nous saoules, toi? Qu'est-ce que c'est que ces petites merdouilles là? Là-haut, il y a un truc fermé. Ah 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 ah, il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur. Je pense qu'on peut faire un truc du genre. Alors peut-être que. Yes! Peut-être que le feu aurait fonctionné. Ok, ça ouvre ça, d'accord. Sauf que je ne suis pas en hauteur pour sauter. Donc il faudrait qu'on trouve le moyen d'aller là-haut. Et là-haut d'ailleurs, c'est moi, il y a des caisses. Il y a des caisses petites et il y a... Oui, 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 il y a une caisse petite à poser. Ok, on est bien. On est bien, on fait l'énigme dans le bon sens. Ah! Dans l'autre côté, Link, s'il te plaît. Quelle merdouille. Il donne rien du tout. Là, on a encore ça. Ça sert à rien. Je me demande si les caisses brûlent. Non. On aurait peut-être pu découvrir un interrupteur caché dans la caisse. Alors là, c'est de là où je viens. Mais du coup, j'ai pas vu de quoi monter, à part ouvrir des trucs un peu au pif, là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu une araignée, mais elle... Je me demande si il n'y a pas d'autres ennemis qui sont censés... Peut-être qu'il c'est ici en fait. On va tenter un champ du temps là. Peut-être qu'il y a d'autres ennemis qui sont censés tomber et quand t'as tout tué, t'as une porte qui s'ouvre. Ou alors c'est le bloc du temps tout simplement. Mais j'ai des doutes là. Ah, c'est là-haut, hein. C'est pas pour t'aider maintenant ça. On va continuer à marcher un petit... Voilà, je me dis que peut-être on tombe... On en tue assez pour ouvrir la porte. Celle avec des barreaux. Même si là on était pas mal dans l'idée parce qu'on avait ouvert ça là. Donc on aurait une petite caisse pour ouvrir de l'autre côté. Il n'y a pas d'échelle. J'ai souvenir d'un truc à exploser. J'ai tapé dans les murs, mais... Apparemment, je l'ai déjà explosé, le truc à exploser, quoi. Il n'y a plus l'air d'avoir d'ennemis, donc ma théorie a l'air un peu dégueulasse. Bien, bien, bien. Y a rien d'autre là. À part là où j'entends quelque chose, mais alors. À part te faire ça là. Ok, je l'ai eu, mais ça sert à rien. J'ai vu des trucs apparaître, c'est bizarre. Enfin, il y avait des trucs dans les murs. Et là, tu fais tac 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 tac. Non, ça passera pas. Hein. Laisse tomber. Bon, bon, bon. Peut-être qu'il y a un interrupteur caché en hauteur et que je ne le vois pas. Déjà, j'ai plus de magie, donc je suis un peu embêté. Ou peut-être que j'ai tout simplement glitché le jeu depuis un petit moment.
en sautant au-dessus du truc. Putain, je vais pas revenir là-dedans, quoi. Eh bien, dites-moi, on est bien. Alors, on est au deuxième temple. Le premier s'est plutôt bien passé. Et là, là, on n'est pas terrible, hein. On n'est pas ouf. Bon, on va partir, on va faire demi-tour. On va retourner voir dans la salle où je vous disais qu'il y avait peut-être une fausse porte. Je suis même pas sûr que je puisse y retourner, d'ailleurs, dans cette salle. Quoique, si. Oh, putain, il est là. Oh! Putain, je me fais avoir par un lézard de merde! Ok, il donne des cœurs. On va checker là si j'avais pas raté un truc. Non, non, là, je peux pas ouvrir ça. Je ne peux pas ouvrir ça. Là, c'est la salle. Je fais attention. Voilà, merci. En fait, si je grimpe sur les grilles, je dois pouvoir aller de l'autre côté parce que je crois que je peux pas marcher là-dessus. Ouais. J'espère que je fais pas n'importe quoi. Il va falloir se retaper la route encore une fois. Il me semble que je peux passer là. Ah, putain, il fait des sauts de merde là. Ah, mais vas-y! Ok. J'ai vraiment l'impression de faire des choses que le jeu ne veut pas forcément que je fasse de base. Mais c'est pas grave. On avance. On va aller à gauche du coup là. Mais j'ai vraiment des doutes sur ce qui va se passer là-bas. Aïe, je pensais que tu pouvais monter là-dessus. Monte. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. De la magie, c'est gentil. Il y a encore des flammes là, mais... Enfin... Je suis persuadé que ça c'est une fausse porte. Ah, peut-être pas du tout en fait. Eh ben non, vous voyez. J'ai dit n'importe quoi, du coup là je peux peut-être avancer. Alors, où suis-je? Alors, on a un goron et une sculpture là. En fait, ça va pas m'aider beaucoup. Hein. Non! Dégage-toi. Je veux mon marteau. À moins que tu aies une astuce intéressante pour moi, ça va pas me débloquer. Tu es venu me sauver. Un conseil. La paroi sensible à notre spécialité locale sonne différemment lorsqu'elles sont frappées par une épée. Bah, ça, on l'a vu dans l'autre salle, ouais. J'ai dû rater quelque chose. Il doit y avoir peut-être un truc à grappin dans la salle là-haut que j'ai raté. Ou alors, il faut que je flambe tout ici par une magie incommensurable que je n'ai pas. Parce que déjà, je peux même pas aller là-haut. Mais alors, va tout flamber là. Je peux absolument pas tout atteindre, hein. Il se passe des choses étranges. Là, ce qui est sûr, c'est que la suite, c'est la salle où je me suis paumé. Putain, j'arrive pas à faire les roulades comme vous me dites parfois, là. C'est là la suite, hein. J'ai pas le choix. Bien, bien, bien. On va retourner là-haut. À nos risques et périls, d'ailleurs, parce que alors, j'ai un peu monté... Par facilité là, t'as faut tout refaire quoi. De toute façon, on va pas tarder à se laisser, on va faire un petit peu plus long parce que déjà je galère à avancer. Donc autant que vous ayez un chouïa de contenu en plus, même si c'est même pas dit que je me débloque. Oh là 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 là, putain, je vais crever ici. Je crois que je suis monté déjà avec beaucoup de chance. Ok. Il doit y avoir un truc à grappin que j'ai raté.
pour monter et aller chercher une caisse et appuyer et continuer quoi, tout simplement. C'est pas... ça peut être que ça quoi. Alors là il y a encore le lizard qui va me tomber dessus. On va lui faire un petit coucou. Non, non, putain. Donne-moi un cœur. Ah c'est pas vrai, bah, vas-y je prends une fée. Si, je prends une fée. Ouais, je prends une fée. J'ai pas envie d'entendre tudum, tudum, tudum. De toute façon, on sait où il y en a dans le donjon. Il y a une salle avec plein de fées. Allez, on va chercher encore un petit peu. Là, il faut qu'on trouve... on se laissera après. Je veux qu'on trouve ça. Ah, c'est vrai qu'il y avait le truc grappin, là. Qu'est-ce qu'on a raté, là? En plus, tous les lézards vont revenir. Ça va être super sympa. Vas-y, tombe. Je m'en sors très mal. Je combats très mal alors que un coup en avant. Alors, où est-ce qu'il y a un truc de grappin que j'ai raté là? Arrêtez de plaisanter là. Et là, il saute et j'avais pas besoin d'un grappin. Alors effectivement, il y a encore un mur à exploser que j'ai raté. Mais j'y crois pas quoi, j'ai déjà trouvé le mur. À moins qu'on fasse deux fois le champ du temps ici. Non. Voir si par hasard le bloc descend pas. À part en faire apparaître un, c'est pas très efficace là, mais il est bien trop haut. On va le refaire. Ah, j'ai pas envie de vous laisser en étant bloqué. Parce que le but c'était quand même que j'en tourne à l'avance. Donc si je suis bloqué, bah... bah voilà quoi. En plus il y avait un truc à grappin affiché là. Enfin il était dans un trou dans le noir, genre je te le mets pour plus tard. Regardez, on voit qu'il y a quelque chose là. Là, j'entends une araignée. Ah! Ah, c'est là! Ah! Ah! Et justement, l'araignée était là pour te guider, sauf que j'ai fait de la merde. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Don't panic. En plus, je le savais qu'il y avait un autre mur. Je l'ai dit, hein, j'ai dit, je me souviens qu'il y a un truc pourtant. Et là, voilà, des trucs à grappin. Et tu peux monter. On est tous heureux. On va au moins ouvrir cette porte. On va aller chercher une caisse. Pff, le mec, il passe comme ça. Moi, je fais au moins ça. Hein. Après, on se laissera dans la prochaine salle. Mais au moins, on ouvre la porte. Voilà. C'est bon. Ouh, je pourrais continuer. Alors, tu prends ça. Et on va l'emmener tout là-bas. Alors, le problème, c'est que maintenant, j'ai pas tué tous les trucs. La quête de la caisse. On ne plaisante pas, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Parfait. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres et tu sauves des gens, tu prends une clé, c'est la folie. C'est génial. Voilà, on va se laisser sur ce sauvetage. Tu veux me sauver, blablabla. As-tu un conseil pour moi? Si ta tunique se met à brûler, agite ton épée dans tous les sens et fais des roulades pour l'éteindre. Tu le savais déjà? Ah bon, bah, je me souvenais plus, donc merci à toi. Alors, si c'est pas une petite clé, je me pique une crise, mais... c'est bon, on est sauvé. On est sauvé. Ok, je vais faire ma sauvegarde. On va se laisser là pour ce premier épisode de donjon. Et je vais continuer parce que je vais... parce que je vais continuer. C'est très logique, je ne suis absolument pas centré. Hein, comme d'hab, c'est pas grave. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a eu quelques galères, mais bon, on a trouvé. Donc, ça va.
Et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois, voir si j'y arrive en 2 épisodes, mais en tout cas je n'en tourne que 2. Donc si vous avez des choses à me dire sur le donjon, vous pouvez me le dire à l'épisode prochain, enfin vous pouvez me le dire là bien sûr, mais je ne l'aurai pas pour le prochain, mais si vous me le dites pour le prochain, je l'aurai pour la semaine d'après. Vous suivez. Voilà, je vous fais des bisous, des bazous, et je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao.